Mais aucun est blessé. Et nous remercions le Seigneur. Et j'invite notre surveillant, le bishop Christian Merlot, de venir introduire ces moments dans la prière. Et j'invite l'église qu'on se lève pour qu'on puisse recevoir la bénédiction de Dieu. Merci, pasteur Antonio. D'abord, je vous salue dans le bon nom de Jésus. On dit ça chez nous, bonjour à toutes. Là, il y en a qui me comprennent très bien. En tout cas, très heureux de voir votre doux visage en cet après-midi de début de convention. Et je veux croire que dans le Seigneur, nous allons tout simplement être bénis. Amen. Prions. Notre Père et notre Dieu, c'est une grâce, un privilège, un honneur, un plaisir, une joie que de nous tourner vers toi, que de t'invoquer. Toi, le Créateur de tout ce qui existe, dans le ciel, sur la terre, sous les mers. Seigneur, tu nous appelles tes enfants. Seigneur, nous nous recommandons à toi afin que par ton esprit, que ce temps soit une bénédiction pour chacun d'entre nous. Selon ta parole, Seigneur, il est dit, hein, il est bon pour tes frères d'être ensemble parce que c'est là que tu envoies la bénédiction et la vie. Nous voulons, Seigneur, être au bénéfice de toutes les grâces et les bénédictions que tu as préparées pour nous. Seigneur, nous sommes dans cette attente du miraculeux sur notre vie. Nous nous attendons, Seigneur, au miracle chaque instant de chaque jour. Toi, le Dieu généreux. Seigneur, tu es tellement généreux que tu as donné ton Saint-Fils pour nous. Et aujourd'hui, Seigneur, nous voulons te célébrer. Déjà en commençant cette convention, par ce temps de louange, par ce temps, Seigneur, d'adoration. Seigneur, inspire tout un chacun par ton esprit et ceux, Seigneur, qui ont été désignés pour justement nous entraîner à entrer dans ta présence. Seigneur, et nous te recommandons chacun, même ceux qui sont encore en route, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous ne permettons à rien ni à personne de nous détourner, Seigneur, de ce que toi tu veux faire en nous, au milieu de nous et au travers de nous, afin que ton règne vienne et que ta volonté soit faite pleinement, Seigneur, pleinement, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Louons le Seigneur ensemble. Où sont les musiciens? On les cherche. Voilà, on était d'accord pour commencer cette convention par un moment de louange, comme le pasteur Bishop Merlot nous a expliqué, parce qu'on croit dans ce moment-là que la présence de Dieu descend au milieu des louanges de son peuple. Et le thème, c'est vraiment le feu de l'esprit. On veut vraiment être baptisé à nouveau de feu. Donc, que ce moment-là soit aussi un moment de louange, d'adoration. Et j'invite 2 minutes. Ah, d'accord. Donc, je vais combler ces 2 minutes là. C'est pas moi qui vais chanter. Même si je chante bien, hein, mais c'est pas. Mais c'est important parce que on est sûr qu'avec la louange, on ouvre des portes. Et qu'on prépare le terrain aussi pour que l'Esprit de Dieu puisse se manifester au milieu de nous. Amen. C'est ce qu'on veut, adorer, louer, élever le nom de Jésus à travers ce moment-là. Donc, notre artiste, Dana Jo, je ne suis pas le meilleur pour expliquer. Est-ce que, Jules, tu veux nous dire quelques mots sur notre artiste qui se présente cet après-midi?
Voilà, bonjour à toutes. Je le redis en créole aussi, hein. On est d'accord. On affirme, on est d'accord. Donc, on est vraiment heureux d'avoir Dalain Diop pour cette convention, pour débuter de la louange. Comme disait le pasteur Francis, la louange c'est quelque chose qui ouvre des portes incroyables. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On est dans un temps où on va parler de l'effusion du Saint-Esprit. On est à un jour de Pentecôte. Pour nous, c'est les pompons. Hein. C'est pour nous notre fête nationale à nous. Hein. On est d'accord. Hein. Et on a la chance, l'immense privilège d'avoir aussi une autre pompon avec nous cet après-midi. Donc, pour ceux qui la connaissent pas, c'est une artiste gospel urbain. Et elle fait souvent beaucoup d'adoration. D'ailleurs, elle est chez nous à Colmar. Yes. Donc, en tout cas, passez une bonne après-midi et laissez Dieu parler à votre cœur. Laissez-vous remplir par la présence du Saint-Esprit. Laissez Dieu agir encore cet après-midi parce qu'il veut encore vous toucher au travers de ses chants. Parce que si vous êtes venu ici en pensant que vous allez ressortir comme vous êtes rentré, je vous dis tout de suite, c'est pas le bon endroit. Amen. Laissons Dieu travailler comme il doit travailler cet après-midi. Vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que je peux avoir un amen avec ça? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu cet après-midi pour sa grandeur, pour sa fidélité et sa bonté envers nous? Amen. Entendez? Alors, excusez-nous pour le retard, vraiment. Est-ce que vous nous pardonnez? Il va falloir pardonner, sinon on ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu. Amen, amen. On va prier. Alléluia, merci Seigneur, merci parce que tu es là. Merci parce que c'est toi qui as permis que ton église soit réunie aujourd'hui. Tu es notre invité d'honneur et nous voulons te laisser toute la place. Nous te souhaitons la bienvenue. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous sommes venus ici avec une faim et une soif d'être touchés par toi, Saint-Esprit. Nous sommes venus ici assoiffés de ta présence. Seigneur, nous ne voulons pas repartir comme nous sommes venus. Fais ton œuvre dans ce lieu, fais ton œuvre dans nos vies, fais ton œuvre dans nos églises. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es venu assoiffé de Dieu aujourd'hui? Est-ce que tu es venu assoiffé de Dieu aujourd'hui? Alléluia. Alors on va commencer par un premier chant, très simple. Est-ce que vous savez dire ram pam pam? Dis à ton voisin ram pam pam. Ok, il va falloir le chanter avec nous, hein. J'ai presque oublié mon passé, mes pensées noires désorientées. Tant de choses ont changé. Il m'a relevé, il m'a élevé et même glorifié. Plus le temps de me cacher, j'ouvre ma bouche pour le dire. Mon cœur va exploser, je vais brûler. Plus le temps de le cacher, ce qu'il a fait est une folie. C'est inimaginable, impossible. Sauver mon cœur libéré, ton amour m'a trouvé au-delà de toute forteresse. Je vous parle du plus grand roi, il a tout laissé pour moi, tout laissé pour moi. Hey!
pour Jésus, ram pam pam. Yes. Yeah. Dites-moi pourquoi mon cœur bat comme ça, pourquoi il s'enjaille quand j'entends son merveilleux nom. Bon bah je ne veux que te plaire, c'est écrit, je n'ai rien à faire, juste croire fera l'affaire. Oh, oh, oh yeah. Ton amour m'a touché, ton amour a sauvé mon cœur libéré. Tout en moi est bouleversé. Wacha cha cha, dans ta présence me livré. Et plus rien n'a d'importance, car il en est le sens, il en est le sens. Dites-moi qui peut aider qui joue. Dites-moi comment faites-vous pour résister à ça. Dites-moi pourquoi dans ma tête il a qui saille. Quand mon cœur est Yeshua, Yeshua. Ram pam pam pam. À vous. Ram pam 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 pam. Yeah. Ram pam pam pam. Ram pam pam pam. Célébrer le Seigneur. Est-ce que tu as envie de célébrer le Seigneur? Est-ce que tu as une raison de célébrer le Seigneur aujourd'hui? Le Seigneur t'a-t-il donné des victoires dernièrement? Ou alors est-ce que tu espères encore la victoire à venir? Alors vous savez, il y a un cri de guerre. Wololololololo, est-ce que je peux l'entendre? Wololololololo, wololo, c'est un cri de guerre, dis-le. Tu attends tes victoires maintenant, car il y a encore plein de choses devant toi que le Seigneur veut déverser. Alléluia. Wololo. J'attends ma victoire et je sais que je l'ai déjà. Alléluia. J'ai crié
Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur avec ton corps aujourd'hui? Vas-y, danse, bouge. Originaire du Congo, tout ça, vous pouvez pas rester sur place. Le Dieu du royaume des cieux est ici. Le Dieu de l'univers est ici. Le Dieu créateur est ici. Celui qui a prononcé des paroles sur ta vie avant même que tu ne sois tissé dans le ventre de ta mère. Vas-y, danse. Bouge. Acclamez Jésus. Thank you.
Roi des rois, Seigneur des seigneurs, Alléluia.
Pensées noires. Mais il est venu et il a tout changé. Il a tout transformé. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme moi ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un que Jésus a transformé? Je peux vous dire que dans ma jeunesse, peu de gens auraient parié sur moi. Ah là là, j'étais méprisée. Mais Dieu m'a relevée. Il m'a élevée et il m'a glorifiée. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme moi ici? Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Vous savez, je viens d'une famille où il y a beaucoup de sorcellerie. Beaucoup. La sorcellerie est même une profession. Et dans ma famille, il n'y a aucune femme qui est mariée. Elles sont toutes divorcées et toutes des femmes battues. Voilà la malédiction qui est reposée sur ma famille. Mais Dieu est venu chercher une femme. Dieu aime bien prendre les rejetons, non? Et en faire quelque chose de glorieux. Dans les choses faibles, alléluia. Il est venu chercher ma mère. Et il a fait d'elle une femme de foi. Elle a, par la grâce de Dieu, brisé cette malédiction au travers de la foi et de l'obéissance. Et aujourd'hui, parmi toute cette famille, il n'y a que de son côté où les enfants sont mariés, où les enfants sont heureux dans leur mariage. Alléluia. Et Dieu m'a bénie. Je suis celle qui a eu 6 enfants avec le beau jeune homme que vous voyez là-bas. Il n'y a aucune parole de malédiction, aucun enchantement qui peut s'opposer à la volonté de Dieu dans ta vie. Alléluia. Moi, je crois qu'en Jésus-Christ, nos ennemis sont confondus. La Bible dit, toute arme forgée contre moi sera. Toute arme forgée contre moi sera. Alléluia. Mes ennemis ont été confondus. Tes ennemis sont confondus. Ils ne comprennent pas, oui, il t'arrive peut-être de vaciller. Il t'arrive peut-être d'avoir mal. Il t'arrive peut-être de ne pas comprendre. Mais tes ennemis ne comprennent pas pourquoi tu es toujours debout aujourd'hui. Pourquoi tes mains sont encore levées vers le ciel. Oh, ils ne comprennent pas. Ils sont confondus. Alléluia. Ah, là, il va falloir se lever. Tes ennemis sont confondus. Je ne sais pas où tu en es actuellement dans ta vie. S'il y a encore des combats que tu dois gagner. Mais sache qu'ils sont confondus. Sache qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils envoient les flèches, mais les flèches ne t'atteignent pas. Alléluia. Ils essaient de te faire trébucher. Mais Dieu a envoyé ses anges de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Est-ce que tu connais ça? Jésus combat à ta place. Alléluia. Est-ce que tu le crois? Est-ce que Jésus combat à ta place? Trompé, la 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 trompé
ils sont confondus. Si tu ne peux pas chanter toutes les paroles en lingala, fais ce geste prophétique, ils sont confondus. Et marche sur les serpents, marche sur les charbons ardents, alléluia. Salaboy, 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 des armées. Et pour devenir un bon soldat, il faut savoir ramasser les coups. Est-ce qu'il y a des guerriers ici? Alléluia. Connaissant ce qu'il promet, il accomplit.
déclare-le sur ta vie, sur ta situation, sur ta famille. Hey, il m'a restauré. Il m'a restauré, il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant ce qu'il promet, il accomplit. Nous avons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière des hommes. Oh non, il n'est pas parlé pour ma vie. Nous avons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière humaine. Oh non, non. Oh non, il n'est pas parlé pour ma vie. Nous avons un Dieu, un Dieu, un Dieu puissant et élevé. Non, non, il n'est pas parlé pour ma vie. Ah. Alléluia. Hey. Il m'a restauré. Il m'a restauré. Il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant ce qu'il promet. Il accomplit. Nous avons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière des hommes. Non, non, hey. Il n'est pas vraiment pour mentir. Nous avons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière du monde. Non, 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 non. Il n'est pas vraiment pour mentir. Nous avons un Dieu, un Dieu. Que ton feu, Seigneur.
Alléluia. Seigneur, il n'y a vraiment personne comme toi. Tu es incomparable, tu es inébranlable. Qui est comme toi, Jésus? Ah, est-ce que tu peux monter en prière? Est-ce que tu peux monter dans l'adoration? Est-ce que tu peux inviter le Saint-Esprit? Est-ce que tu peux élever sa présence qui est là au milieu de nous? Contemple la splendeur du lion de Juda.
Je t'adore. Je t'adore. Tout en moi. Que t'es. Je t'adore. Dis-le avec amour encore. Saint, saint, saint. Saint, saint, saint. Ô éternel. Toi qui as terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Racheté je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, ô roi de Sion. Racheté je suis car tu m'as fait don de ton nom. Hey. Tu mérites mon adoration, ô roi de Sion. Racheté, je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration. Tu mérites mon adoration, au roi de Sion. Racheté, je suis. Racheté, je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, au roi de Sion. Saint, saint, saint. Je t'adore, ô Dieu, je t'adore, ô Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, ô Dieu, je t'adore, ô Dieu. Nous t'adorons, nous t'adorons. Ô Seigneur Jésus, gloire à ton saint nom. Merveilleux Saint-Esprit, Ishanamaya Kataravayasu, que ferais-je sans toi? Que ferais-je sans toi, admirable conseiller? Je veux diminuer pour que toi tu puisses croître. O Ravayasu Robabayashata Karavayasi, Ishanamaya, que ta gloire resplendisse dans nos vies, Seigneur. Nous ne voulons pas rester tels que nous sommes. Nous savons qu'il y a encore plus en toi. Donne-moi plus faim et soif de toi, Saint-Esprit. Je te désire encore et encore. Donne-moi un feu nouveau pour toi, Saint-Esprit. Donne-moi un feu pour toi, Seigneur. Donne-moi un amour nouveau pour toi, Seigneur. Donne-moi une passion nouvelle. Oh, rafraîchis-moi, Seigneur. Ishana Maya, Ishana Maya. Oh, Saint-Esprit, admirable conseiller, mon meilleur ami, mon rocher des âges, celui qui ne tarit jamais. Ishana Maya, Rabaya Katarabaya Sata. Oh, est-ce que tu peux parler au roi des rois? Est-ce que tu peux monter encore? Ishana Maya Katarabayase, Ivra Sata Karabayaso. Je veux être ton vase, Seigneur. Je suis ton instrument dans ta main. Oh, façonne-moi, remplis-moi, Seigneur. Je suis à toi.
Je suis ton territoire. Ma vie est à toi, Seigneur. Tous mes projets sont pour toi, Seigneur. Tous mes talents sont à toi, Seigneur. Tout ce que j'ai t'appartient, Seigneur. Sans toi, je ne suis rien. Dieu est là.
Oh, est-ce que tu le crois? Dieu est là. Est-ce que tu le crois que Dieu fait son entrée? Que Dieu est là? Alléluia, corra vaya solo, mandiria la chene, veridia la solo. Nous rentrons dans des temps particuliers. Est-ce que tu sais que le réveil est là déjà? Mon frère, ma sœur, est-ce que tu sais que Dieu est en train de faire son entrée? Mais il va la faire avec chacun d'entre nous. Il faut que nous soyons connectés. Il faut que nous soyons remplis. Que tout ce qui nous a empêchés, oppressés jusqu'à présent, puisse être renversé. Alléluia, par l'autorité qu'il nous a donnée. Car Jésus vient chercher son épouse. Car Jésus vient chercher une épouse glorieuse. Il ne viendra pas chercher une épouse à terre, une épouse apeurée, une épouse tiède. Mais Jésus vient chercher une épouse glorieuse. Nous rentrons dans des temps où nous allons voir qui sont les vierges sages. Qui est-ce qui a sa réserve d'huile? Dans des temps où beaucoup de choses vont être révélées. Alléluia. Yashana mandelia rabaya katarababa yasso. Ikatana maya soraba yashe. Le réveil est là. Le réveil est là. Le réveil est là. Le réveil est là. Le réveil. Le Seigneur ne touche que ceux qui ont vraiment soif. Il ne touche que ceux qui ont vraiment soif. Que ceux qui n'ont pas peur de dépasser. Ceux qui n'ont pas peur de bousculer. Ceux qui n'ont pas peur de déranger. Le Saint-Esprit regarde et il ne touche que ceux qui n'ont pas peur de déranger. Ceux qui veulent le changement maintenant. Si tu sais que tu t'es refroidi à un moment, demande pardon au Seigneur. Les moyens ont été mis afin que le Saint-Esprit puisse toucher son Église. Des femmes et des hommes ont plié le genou pendant des semaines afin que nous puissions vivre quelque chose de nouveau ici. Mais le Seigneur ne fera rien de nouveau si tu ne désires pas quelque chose de nouveau dans ta vie. Peut-être que tu as déjà fait le tour de la foi.
Tu as peut-être déjà fait le tour de Dieu. Est-ce que tu le crois qu'il y a encore quelque chose de plus que ce que tu connais jusqu'à présent? Peu importe les années de conversion que tu as, je te le dis, Dieu est celui qui étonne éternellement. Dieu est celui qui est ébloui éternellement. Oh, et il veut encore t'impacter. Il veut encore t'utiliser. Car je vous assure, des hommes et des femmes de Dieu s'unissent pour le dire. Nous rentrons dans des temps concrets. Nous rentrons dans des temps qui ont été priés, qui ont été désirés par nos pères et par nos mères. Aujourd'hui, nous sommes dans la consommation de ces choses. Mais seulement ceux qui auront faim et soif pourront voir la gloire de Dieu. Nous allons voir les vierges folles et les vierges sages. Alléluia. Alléluia. Koravaya shanamana. Shanamaya ravaya ramaya ravaya namaya. Oh, envoie ta pluie. Envoie ta pluie qui rafraîchit. Souffle, Esprit de Dieu. Envoie ton feu. J'ai besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit.
merveilleuse présence, ô Dieu. Ta merveilleuse présence, ô Dieu. C'est ce que j'ai de plus cher. Ta merveilleuse présence, ô Dieu. C'est mon plus grand trésor. C'est mon plus grand trésor. Je veux vendre tout ce que j'ai pour te gagner. Je veux vendre tout ce que j'ai pour t'adorer. Alléluia. Je ne veux que toi. Je ne veux rien d'ici-bas, mais toi, Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Hey, Anamaya, Shanamaya, Katarava. Oh, tu es si bon, mon Dieu. Tu es si bon. Je t'aime Jésus.
Dieu le Père.
Tu peux le dire de tout mon être.
que tu as, mon cœur heureux te dit. Pour Jésus, il faut acclamer plus que ça. On fait un dernier chant, ça vous va? Amen. Shalom, shalom.
lève-toi et danse, les ténèbres décampent, et ben nous shalom, shalom. Lion of Judah, come freedom, laisse entrer le kingdom, et ben nous shalom, shalom. Lève-toi et danse, les ténèbres décampent. Amen.